président de la République, avait pris la poudre d'escampette. Il a traversé la frontière, les frontières. Souvenez-vous que c'est nous qui étions là encore. Hein? Le collectif, nous nous sommes battus, corps et âme. Parce qu'on avait mis tout le fardeau sur lui. C'est lui qui était le cerveau, c'est lui qui était l'organisateur, c'est lui qui était le financier. On a mis tout sur son dos. Nous nous sommes battus pour lui et pour son lieutenant, Baba Alimou. D'abord, pour qu'un procès se tienne, c'était difficile. Personne n'osait parler de ce dossier-là, ici. Nous nous sommes battus pour que le procès soit organisé. Le procès a été organisé. Il a été condamné. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Le dossier à la Cour suprême. C'est inimaginable que ce dernier revienne pour se comporter de la sorte. Moi, je suis révolté. Et puis, je suis dépassé. Baba Alimou, j'ai eu le bras cassé dans sa défense. À sa sortie de prison, même nous saluer, il n'a pas fait. C'est lui qui a organisé le cortège pour agresser le siège. Donc, constatez que nous, nous nous battons pour les principes, pas pour un homme. C'est pour l'état de droit. Hier, nous étions là en train de défendre Baoui contre le pouvoir, contre le parquet. Nous avons mis tout dans l'eau. Aujourd'hui, nous sommes contre lui parce qu'il est sur le chemin du mensonge. C'est nous qui sommes sur le chemin de la vérité et du droit. Donc que les juges acceptent d'écouter notre cause, maître. Nous nous sommes trop battus pour cet homme. En notre entendement, qu'il rentrait, il se mettait à la disposition de ses compatriotes.